cette histoire. Relance une fois pour de bon cette histoire et puis tu me donnes mon argent et on se sépare comme ça. Parce que au fur et à mesure que tu conserves mon argent, ça va s'empirer. Et ça risque d'être devenir un très grand problème entre toi et moi. Ah franchement, tu ris, ça te fait rire. Ça risque d'être un très grand problème. Écoute, tu es en contact avec mon banquier, n'est-ce pas? Écoute, ton banquier ou pas, moi je te dis, finissons une fois pour de bon avec cette histoire. Tu m'as fait venir ici aujourd'hui. Il faudrait que tu me donnes mon argent et on finit une fois pour de bon avec ça. Ça dit que tu t'en fous de l'intérêt, tu ne veux plus attendre. Je n'ai pas besoin de ton intérêt ou bien je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin de mon argent. Non, ce n'est pas mon intérêt. Tu donnes mon argent et on finit une fois pour de bon. Et on arrête cette histoire-là. Et si tu vois, parce que il risque d'avoir des pertes de vie humaine dans cette histoire, je te dis. Je suis pas surpris, hein, les Africains. La patience. Tu n'es pas d'Africain. Écoute. Non, parce que tu m'as mis tu me dis que non, il y aura des pertes de vie dans cette histoire. Ok, voilà. Évidemment, tu te réfères à ta tradition, à ta culture. Voilà un ultimatum. Mais ça ne marche pas comme ça dans le business. Tu parles comme si c'est toi, c'est toi. Mais c'est ton argent qui a eu confiance en moi, mais patiente, pas toi. Tu parles comme si c'est moi, je te devais. Non, c'est ce que je t'ai dit. T'avais lu le contrat, n'est-ce pas? T'avais lu le contrat. Écoute, pour être plus clair avec toi, pour être plus simple avec toi. Je veux mon argent ou je ne sors pas de cette voiture. Bon, écoute, je vais te faire une proposition. Okay. Ou soit tu patientes encore un ou deux mois. Deux mois, pourquoi? Mais écoute, je n'ai pas encore fini. Je te rembourse ton capital. Quand je dis capital, je suis bien clair, ça dit qu'il n'y aura pas d'intérêt. Malgré tout ce temps déjà perdu. Hein? Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fille, à vrai dire, ma secrétaire m'avait dit, elle ne te va pas, elle ne te va pas du tout. Entre nous, elle n'est pas belle. Je sais que c'est relatif, mais j'ai une très 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 belle fille chez moi. Comment? Ma propre fille. Alors écoute, ça. Voilà que tu parles. Ah oui, non, tu peux. Voilà que tu parles. Fais-toi une image à partir de ma femme. Écoute, voilà que tu parles. Je t'ai dit, je ne sortirai pas de ce véhicule tant que je n'ai pas une solution positive. Là, tu souris, ça veut dire que... Là, c'est une très bonne solution, mais j'espère que c'est la bonne. En fait, je suis venue pour te parler. Te parler de moi. Mais je préfère qu'on soit vraiment à l'aise. Et là, je t'expliquerai tout parce que je veux pas que tu le prennes mal. Je veux que tu le prennes bien. Donc, on s'assied. Puis, tu crois que c'est facile? Tu disparais comme ça? Il n'y a pas de lettres, même pas un téléphone? Tu as perdu mon numéro de téléphone? Mais Jean, écoute. Tu sais très bien, quelquefois la vie t'entend. Mais la vie, on est que tous les deux. Il y a toi, il y a moi, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Donc, oui, mais je t'ai appelé. On n'a plus les parents. C'est vrai que je ne t'appelais pas très souvent, mais au moins tu avais de mes nouvelles. Tu savais que ça allait. Non, je ne savais rien du tout. Je ne suis pas au courant. Je te vois débarquer. Tu veux me parler de ta vie, je ne sais pas. Donc on ne va pas déjà parler négativement. On va rester positif. On va prendre Bénédicte, on va aller manger, on va passer un moment sympa, on parlera et puis après ça, tu me diras tes impressions. Je sais pas, t'es devenue une star, je sais pas. Je veux te parler de mon fiancé. Tu me fais rire. Chaque fois, tu me fais ce coup de fiancé. Eh ben, ça t'étonne que je t'en parle pas. À chaque fois que j'essaie de te parler normalement... Non, c'est pas grave, au contraire. Ta réaction. Non, je sais que tu as grandi. Mais j'espère que cette fois-ci, ça sera pas un coup comme le... Parce que je sais que... Bénéfice du doute. Eh ben, c'est sympa. Ouais. Cool. Mon frère, toi qui parles de famille, on n'est que deux, d'accord, mais... Autant je viens de te parler de ma vie, de quelque chose qui me tient à cœur, et puis ben regarde ta. Non, je me moque pas de toi, tout simplement parce que bon, quand tu claques la porte, tu t'en vas, c'est 2 ans, 3 ans, on te voit plus, et puis tu débarques, et bon voilà, fiancé, après 2 jours, 3 jours après, on n'a plus de fiancé, on ne parle plus de toi, et c'était parti. Et je suis tout à fait d'accord qu'on aille discuter, on va en parler sérieusement, et je te dirai ce que je pense de tout ça. Hein. Donc, c'est ça. Pardon, excuse-moi. D'accord ?
On va chercher la petite et puis bon voilà. D'accord. Tu vas prendre la petite et puis je t'attends. On a plus assez de temps, on va partir. Guess who's coming with me? Auntie Joy! Benedict! So how are you? I'm fine. Oh, nice to see you. My gosh, you've grown so much! You're a young lady now. Oh, wow. So how's school? It's okay. What do you mean, okay? It's a little boring, but it's okay. It can be boring. You have to make it good. You have to make it happen. Make it exciting. It's great. It's going on already. Good. So you did good this year. Yeah. Oh, I'm so glad. I'm so proud of you. So glad to see you. Okay, you know what? We're going to go eat. Right? Yes. We'll take you over to McDonald's. Okay. Have a little meal. Can I get what I want? Of course you can. Of course you can. Okay? Yeah. All right. Come in. All right. Come in. À ma soeur. Alors, quelle bonne nouvelle depuis notre dernier entretien? Oh, prophète, je ne sais pas si je dois dire bonne nouvelle. Il n'y a que de mauvaises nouvelles parce que, tu vois, la fois dernière, quand on a parlé, tu m'as dit que mon mari était dans les sciences occultes et tout ça. Mm-hmm. J'ai essayé de parler avec lui, croyant peut-être qu'il allait nier, mais à ma grande surprise, il avoue qu'il va me manger. Donc, je suis là, je suis vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je ne sais pas si tu peux m'aider vraiment à sortir de cette situation, mm-hmm. ou si tu peux prier pour moi ou prier pour mon mari pour mm-hmm. essayer de changer un peu son cœur parce que ça devient de pire en pire. Oh God. Crois-moi, ce mari-là n'est pas fait pour vous. Il faut prier. Il faut vraiment prier que Dieu puisse vous montrer de mari qui connaît la vérité chrétienne, ma sœur. Tu comprends? C'est très important pour votre vie et pour votre salut. Amen. Vraiment, il faut méditer beaucoup sur ça. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, ma soeur, enlève-le, jette. Ce n'est pas lorsque toi tu devais sortir. Puisque tu es une chrétienne, tu devais avoir un mari qui est chrétien. C'est clair, la Bible, je t'avais dit l'autre fois, et la prophétie l'a confirmé, toi-même tu l'avoues. Le prophète, il faut prier aussi pour lui. Comme Dieu vous montre les choses, comme Dieu vous révèle les choses, peut-être qu'il faut prier. Si vous vous priez pour lui, Dieu va mieux écouter. Ma soeur, je peux prier, mais si la personne ne veut pas, c'est quelque chose de naturel. Il est comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il n'a jamais changé et il ne changera pas. Julien, il s'appelle. Et ben, j'espère que... Ben, tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras ce que tu penses de lui. Mais tu vas voir, c'est un homme merveilleux. Je l'ai rencontré à New York. Et ben, il se trouve qu'il il vit ici aussi. Donc, c'est pour le mieux. D'accord? Alors c'est Eltanis? Oui, c'est Bénédicte. Elle est jolie, n'est-ce pas? Très jolie. Oui. Un peu de ketchup. Ça va, Bénédicte?
Ouais. Comment expliquer qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait? Ben, j'ai pas eu le temps de faire des courses. T'as pas eu le temps de faire des courses, mais t'as eu le temps d'aller à l'église. Mais oui. Ah ben c'est ça, mais oui. Mais oui, l'église c'est ma vie. Ben, j'ai envie de prendre mon thé, je vais donner du sucre. Je dis que j'ai pas eu le temps de faire les courses parce que je passe des moments de prière, je suis en jeûne donc j'ai pas eu le temps. Ah, tu passes des moments de prière. Ouais. Si c'est ça, prier, c'est vraiment désolé. Écoute, pour l'instant, je vais du sucre et du lait. Tu as les cartes sont là pour faire des provisions. Je le ferai quand j'aurai le temps. Remets-moi les cartes. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui les approvisionne. Ce sont mes cartes. Donne-moi mes cartes. C'est ma société, c'est mon argent. Tu m'amènes les cartes. Je vais faire la provision. Je suis ta femme. Je vais chercher une autre femme parce que c'est pas possible. Oui. C'est là où on en est maintenant? Oui, on en est là parce que j'ai faim. Je vais prendre mon café, mon thé. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de provision, il n'y a même pas de pain. Tu veux m'expliquer cela? Remets-moi mes cartes. Je ne remets pas les cartes et tu n'auras pas Satan. Je ah, c'est ça. Excuse-moi, je l'ai bien entendu, tu m'as appelé Satan? Ouais, parce que je trouve que tu deviens une occasion de chute pour moi, Christian. Ah, une occasion de chute? Oui. Très bien, tu vas bien chuter. Ma soeur, tu peux me lire Éphésiens 6 hein, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ma sœur, les ruses du diable, c'est quoi? Le diable est là seulement pour détruire, dérober et pour tuer. Nous devons tenir ferme dans la prière. Il faut beaucoup prier. Amen. Toi, tu comprends jamais. Je t'ai demandé de venir ici. Christian. Pas changé, toi. Mon Dieu, Christian, elle ne va pas changer. Oh, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi Jésus, pourquoi? Mais j'ai déjà bien la visite de cette fille dans cette maison. C'est moi qui ai choisi tes visiteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Merde. Mon mari ne peut pas changer. Hein? Ça dit quoi? Tu n'as pas laissé vos pas. Je te dis, c'est le sang de cette maison, je ne plus jamais. J'attends, c'est du sang, je ne veux plus jamais. Je sais pas, sérieusement. Mais je vais regarder la question. Lève-toi, Christian. Écoute, comme j'avais. Comme d'habitude, en fait, j'avais fait un vœu de toujours prendre. Mais tu transpires, c'est quoi ton problème? Parce que j'étais avec les types, là, il a fait une pression terrible sur moi. Il m'a menacé, quoi, enfin. Il a menacé de tuer. T'as tué? Les Africains, ils ont que ça dans la bouche. Maudire, menacer les gens de mort. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, il m'avait remis 300 000 parce que j'avais besoin d'un petit fonds supplémentaire pour pouvoir aller au bout avec mon projet de
diversifier les investissements, tout ça. Là, je m'étais plongé dans une très bonne affaire. Je t'expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, je veux vraiment que tu sois coopérative. Il a besoin de son argent et je ne suis pas en mesure de régler cela, quoi. Et... comme ton avenir et l'avenir de ma fille est vraiment un de mes soucis, enfin c'est le plus grand souci, il est en train de se chercher une femme. Et comme je tiens beaucoup à l'avenir de ma fille, je veux toujours que continuer dans cette vie rose. Quand j'ai essayé de lui parler un tout petit peu de notre fille, en plus j'ai le débat de l'argent, mais j'ai pas de l'argent pour l'instant. Christian, tu veux vendre ta fille, c'est ça? Non, vendre. Mais de quoi est-ce que tu parles? Vendre ma fille? Est-ce que tu te rends compte de cette fille? C'est toi qui parles, c'est pas moi. Moi, j'essaie de t'expliquer. Et son avenir, et ton avenir, et notre avenir à tous. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, l'éthique va passer le samedi. Essaye de parler à ta fille. En plus. C'est son avenir, tu vois? Mais tu connais ta fille. Et je ne suis pas sûre qu'elle sera d'accord. Tu es sa mère. Mais oui, je suis sa mère, mais je ne suis pas Sylvie. Je ne peux pas l'obliger à épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Non, je ne veux pas que tu obliges. Essaye de la convaincre. C'est pour son avenir. Écoute, Christian. Écoute, vous aimez la belle vie, les belles voitures. En plus, ce Roger, moi, je ne le connais pas. Mais donc, tu es revenu, tu rentres à la maison. À la maison, c'est-à-dire chez toi? Bien sûr que chez moi. Ah, mais non, mais non, mais non. En fait, depuis New York, vu que je savais que je revenais, j'avais déjà commencé mes recherches et j'ai trouvé un appartement. Ah, tu t'es trouvé un appartement pour ne pas venir habiter chez moi. Tu as une femme, des enfants. Je ne peux pas venir m'imposer comme ça dès que je le veux. Il faut quand même que je respecte le fait que tu as une femme et des enfants à la maison. Voilà, tu es partie à New York, tu as grandi, tu as ta petite vie. Parle-moi un peu de ta vie spirituelle. Oh, mais ça va très très bien. Je prie encore. Tu chantes toujours à la chorale? Beaucoup moins. Ah. Beaucoup moins. Disons que j'ai eu une période où je me recherchais quand même un peu spirituellement. Mais... Tu t'es recherché spirituellement, c'est-à-dire? On va pas entrer dans tous les détails. On en reparlera. Ah. Non, on en reparlera. Mais vraiment à tête reposée. Oui, je sais, quand on parle de recherche spirituelle et tout ça, c'est pas que tu es dans les histoires un peu... Oh, mais non, absolument pas. Recherche spirituelle, ça veut simplement dire que j'ai eu des difficultés et que pendant mes difficultés, j'ai eu des doutes. Ça arrive à tout le monde. Ah oui, tu as eu des doutes. J'ai eu des doutes. Quel doute? Quel genre de doute? Mais Jean, on en reparlera. Je ne suis pas venue pour parler. Oui, je sais. Je veux bien qu'on en parle parce que, tu vois, ça se vend partout. Hein. Les religions, les sectes et tout ça sur Internet, partout. Hein. Même à la télé, on fait de la pub et tout. Tu veux gagner de l'argent, tu veux avoir des millions, tu veux devenir ceci et tout ça. Et nous voilà repartis. Tu ne me laisses pas le temps de m'expliquer. Tout de suite... Tu as des préjugés, Non, je n'ai rien dit, mais ça me fait plaisir si tu me dis que tu continues à prier. Je continue à prier. Ah, bon, voilà, tu m'as demandé si je continuais à chanter à la chorale et je t'ai dit non, j'ai arrêté pendant un moment à cause de différentes choses qui se sont passées dans ma vie. Ouais. Mais tout de suite, tu assumes. Ouais, j'espère que ça n'a pas contribué à affaiblir ta foi au point où tu veux changer de religion. Ben écoute, au revoir. Allez. Et à très bientôt. Ok, bon voilà. Ouais. C'est vrai. Ouais, j'ai tout compris. Ouais. Descends, j'ai envie de te parler. Je voulais te parler à propos de ton père. Parle, je t'écoute. Ton père a beaucoup de problèmes. Et pour ça, toi, tu es obligée de l'aider. Tu sais, il a un ami à lui. C'est un homme d'affaires.
Il a beaucoup d'argent et il est célibataire. Il cherche une femme pour épouser. Et ton père a jugé bon, comme tu es déjà assez grande maintenant, qu'il puisse t'épouser. Pardon. Je suis désolée, pas maintenant. Écoute Sylvie, tu sais que tu aimes t'habiller, tu aimes toutes les belles choses, mais tu dois comprendre que pour avoir ça, il faut de l'argent. Tu comprends Sylvie? Non, moi je ne comprends pas. Mais écoute Sylvie, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu as 20 ans. Tu es obligée de te marier Sylvie. Moi, ta mère, je me suis mariée à 18 ans. Il faut essayer de comprendre, c'est pour aider ton père. Ton père a besoin de cet homme. Et pour garder cet homme, on doit essayer de trouver une solution. Donc, tu dois accepter d'épouser cet homme. De toute façon, tu vas le connaître. Il va passer la semaine prochaine, tu le verras. C'est pas mon problème, maman. Sylvie, arrête. Tu n'es plus une gamine, ok? Écoute, de toute façon, tu n'as pas le choix. Ton père a déjà décidé. Roger arrive la semaine prochaine, ok? Maman, j'ai dit non, non. Attends-moi, Sylvie! Tu es la seule dame qui, vraiment, tout ce, je lui tiens mon cœur. Tu es tout pour moi. Tu es mon espoir. Tu es mon avenir. Tu es mon poumon. Je compte beaucoup vraiment sur toi. Et tu ne dois jamais me laisser tomber. Nous sommes liés pour l'avenir. Toi-même, tu le sais. Et tu es la première dame dans cette maison. Personne d'autre ne va te dépasser. Je compte vraiment sur ta grande volonté et ta puissance. Tu as compris. Tu as compris ce que je veux dire. Sans toi, je n'existe pas. Et sans moi aussi, tu ne pourras pas exister. Mais quelque part, toi et moi, nous sommes liés pour toi. Vous étiez au bord de la mer aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, j'ai été avec ma fille. Pourquoi? Je crois que j'ai de la confirmation. Oh, Jesus. Alléluia. Jésus. J'ai de la confirmation. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi un peu votre main. Il y a un problème, prophète? Moi, je comprends rien. C'est quoi? Moi, je crois que... Christian n'est pas votre mari. J'ai l'assurance et la certitude. Écoute, prophète, moi, je ne comprends pas. Vous avez vu quelque chose? Si vous avez vu quelque chose, il faut me dire, parce que moi, je ne comprends rien. Ma soeur, la prophétie ne ment pas. Et je suis sûr et je crois que la main qui vous interdisait de voir le royaume a été coupée. Vraiment, je t'ai dit... Mais arrête un peu, c'est quoi? Ma soeur, je vous assure, même si tu... Je suis une femme mariée. Je sais. Je suis une femme mariée. Si tu me tapes, dans le... je peux m'entendre l'autre jour, ma soeur. Mais il faut l'attendre, je veux te gifler encore, c'est quoi? Ma soeur... C'est ça l'évangile que tu m'apportes dans ma maison, prophète? Je vous apporte la vérité et la lumière. C'est ça ta vérité? Oui. Embrasser une femme mariée? Ma soeur, c'est la prophétie. Dehors. Ma soeur... Dehors. Je viens simplement... Prophète, avec tout le respect que je te dois, dehors. Toi et ta prophétie, dehors. Ma soeur, sache que... Dehors. Si je suis cette maison, ce qui va se poursuivre après... Ça sera de votre faute. Je l'accepte. Dehors. Adieu. Je ne veux plus te voir dans ma maison. Prophète, prophète. Tous des menteurs.
Quand à chaque fois que je reviens là, c'est toujours le problème. Je te jure, je ne sais même pas par où commencer, mais tu, je te jure, j'ai trop de problèmes, ma chérie, trop de problèmes. Demande quoi? Quoi? Le prophète est venu à la maison. Et tu sais quoi? Il a failli me faire une bise. C'est vrai? Mais je l'ai giflé, je te jure. Tu as bien fait? Je l'ai giflé. Je t'avais dit, non? Mais pour qui il se prenait? Je t'avais dit, avec ton prophète, je savais. Tu vois, ce jour-là, je t'avais demandé s'il est marié. Parce que je savais. Il y avait quelque chose qui... Il me parle des visions. Il paraît qu'il a eu une vision. Il m'a vu sur la plage. Je te dis des trucs impossibles. Tu ne peux pas croire. Heureusement que Christian n'était pas là. Et si Christian était là? C'est pour ça, ces derniers temps, tu parlais seulement du prophète. Du prophète, tu ne parlais plus du Christian. Hein? Tu vois? Écoute, Betty, ce n'était pas de ma faute. Moi, je croyais qu'il était sincère. Je croyais vraiment que c'était un homme de Dieu. Je ne savais pas. Et pourtant, il avait des arrière-pensées. Et comme il est célibataire, il a cru que moi, je vais l'aimer. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Mais comment je dis? Ce sont des escrocs. Il ne va plus recommencer. Et j'allais détruire mon foyer pour rien. Merci, hein. Je t'avais dit, il faut prier, ma chère. Toi, tu dois d'abord chercher la face de Dieu. Tu vois, Dieu t'a montré réellement qui étaient les prophètes. Ils ne venaient pas de Dieu, normalement. Ils venaient chercher quelque chose en toi. Ah, ma soeur Betty, je ne sais pas quoi te dire. Tu sais, vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il vient de me montrer, tu vois. Moi, je croyais peut-être que c'était Christian qui était le problème, que vraiment, comme le prophète m'avait dit, que Christian était dans l'occultisme. Mais je vois maintenant que c'est lui qui a voulu détruire mon mariage. Je vais le dire à Christian, c'est mais sûr. Moi, je vais le dire à Christian. Vous demandez pardon. Non, je vais... En tout cas, je crois que je vais demander pardon à Christian. Je vais lui dire, quoi. Sylvie, viens, j'ai à te parler, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors encore? Je t'avais parlé, non? Je t'avais bien dit qu'on reçoit quelqu'un aujourd'hui, hein, Sylvie? Mais pourquoi tu ne veux pas écouter, toi aussi? Tiens, Rachel, je vais te parler. Un peu trop, tu trouves pas? Hein? Bon, écoute, tu sais, ce garçon, je t'avais dit, c'est un homme bien. Ton père le connaît. C'est vraiment un homme bien. C'est pour ton bien, Sylvie. Je ne veux pas. Tu es une femme, tu dois te marier, Sylvie. Moi, je ne veux pas. Tu es obligée de te marier. Tu sais, en plus, c'est pas seulement ça, c'est à cause de ton père aussi. Moi, je ne veux pas. Mais écoute, si tu dis non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire. On risque de tomber en faillite. Tu aimes la bonne vie, tu aimes les voitures, tu aimes t'habiller et tout ça. Mais si tu dis non, tout ça va finir, je te jure. Nous ne sommes pas dans la France. On n'est pas en Afrique, mais tu es une femme, tu dois te marier, Sylvie. Et qu'est-ce que je vais dire à ton père? Rien du tout. J'espère que tu ne te lèves pas pour sortir. Eh oh, va au salon, je dis, tu ne sors pas, Sylvie. Monsieur Christian, il est là? Oui, il est là. Il fait bien chaud ici, hein? Ok, prends la place. Daddy? Oui? Ah, mon ami Christian. Comment ça va? Comment ça va? Ah, très bien. Et la vieille santé? Oh, toujours en forme. Tu es toujours en forme, hein? Quelle bonne surprise. Mais regarde ce ventre-là. Oh, que veux-tu sur la vie? Toi, tu es un gros tour, mon ami. Ils sont en live, hein? Ah,
Oui. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Eh bien, là, c'est madame. Comment ça va? C'est Roger. Très bien, vous? Vous avez un partenaire en business. Enfin. Ah. Enchanté. Ah. Est-ce que tu peux voir? Comment ça? J'ai vu la liqueur, là. Là, c'est ma fille, hein? C'est pas non? Ma fille, ma fille. C'est votre fille? Ouais. Ah, franchement, c'est la famille, hein? Ah oui. C'est pourquoi je suis là? Ouais, je sais. Je sais. Non, toi, tu me donnes 2 jours, l'inspecteur me donne 2 jours. Je sais pas comment ça. Mon ami, bon, on va pas discuter de ce problème actuellement. Ah, juste avant de dire tout ça. Bon, je te dis tout à l'heure, je te présente ma fille Sylvie. Ouais. Elle va finir sa licence bientôt. Ouais. Je sais pas, c'est ma fille et sa mère. Sylvie, tu sais bien qu'enfant que père, c'est ton bonheur que je veux. Je suis là pour te protéger. Jamais je te ferai du mal, tu vois. Là, c'est Roger, c'est un bon businessman. C'est un grand chef des entreprises. Je crois que c'est l'homme qui t'est fort. C'est ton papa et quand j'ai fait des choix, comme d'habitude, je ne me trompe jamais. Donc, il faudrait que vous preniez le temps de faire connaissance. Ouais. C'est le papa et c'est le leader. Ta maman, c'est plus moi qui fais des choix, parce que j'ai fait toujours de bons choix. C'est un protecteur de la famille. Et... Sylvie, voici ton fiancé, Roger. Là, c'est ta future femme. C'est avec le consentement de sa mère, bien sûr. Sylvie embrasse ton fiancé. Mais monsieur, est-ce que tu me connais? Je ne t'aime pas. Écoute, c'est pas le moment de poser ce genre de questions. Hein. Tu l'embrasses, un point, c'est tout. Et vous aurez répondu à la connaissance. Désolée. Non. Écoute, tiens bien la belle vie, c'est ça la belle vie. Je suis désolée. Tu es là pour te protéger et veiller sur ton avenir. Sylvie! Non, écoutez, je ne suis pas dans ces jeux-là. J'aime pas ces gens de jeux-là. Écoutez, non. J'ai dit, écoutez-moi. Je n'aime pas ces gens de jeux. C'est pas si facile de conquérir, les gars. Quelqu'un, quand même. Hein? Encore, vous m'avez appelé ici ce soir pour me raconter ce genre de trucs-là. Mais écoutez, non, ne me touchez pas d'abord. Monsieur. Non, je ne suis pas. Je vais. Il n'y a pas de monsieur ici. Vous allez arranger quoi? Et d'abord, je vous donne un ultimatum. Je vous donne 24 heures. Ça, je vous dis ça. Je vous donne 24 heures. Vous allez voir ici. Mais qu'est-ce que c'est ce manier-là? Je vous donne 24 heures. Vraiment, c'est déjà ça. Vous dites que moi, je viens m'asseoir ici chez vous. Non, je vous donne 24 heures. On va arranger. Vous allez voir. Vous allez. J'ai dit, vous allez entendre parler de moi ici. Mais comment dites ces chances-là? Vous me faites venir ici pour me faire ridiculiser comme ça devant la famille. Non, écoutez, arrêtez de me toucher. Moi, je vous dis, vous allez voir ça. Vous allez regretter dans votre vie. Écoutez, j'ai dit, vous allez regarder ça. Elle est belle. Ok, bon, ma chère, viens, on va prier alors.
God, I leave my dad in your hands. I know you love him and I love him too. Wherever he goes, wherever he says, wherever he steps, I leave it in your hands because I know you trust him and love him. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Ok, ma chérie, allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, les enfants, allez. Ok. Bye bye. Bon, à plus. Mm-hmm. Bye. Ok, à tout à l'heure. Jean. T'es déjà en retard de 2 minutes? Ouais, mais tu m'avais dit qu'il allait passer, donc il faut attendre un peu, t'as pas son porte. J'ai pas que ça à faire. Hein. Oui, il va arriver, on a besoin de lui, tu le sais. Et il a besoin de moi, c'est pour le travail. Mais c'est nous qui avons plus besoin de lui. C'est un homme bien, je t'ai dit. C'est un homme très bien, donc il suffit que tu sois un peu plus gentil avec lui et tu le laisses travailler. C'est sûr que il va essayer de nous sortir de ce qu'on est en train de vivre maintenant, quoi. Un homme bien. C'est un chrétien, je dis ça dans ce sens-là. C'est un frère en Christ pour moi. Non, la façon dont il a dit, non, je ne fais pas des idées, mais la façon dont elle aime bien, c'est comme si tu le pensais intimement. Christian. Non, c'est juste une façon de parler. Quoi. C'est quelqu'un de bien, tu veux dire. Mais oui, c'est quelqu'un de bien dans le sens, je ne sais pas, c'est un chrétien, c'est un frère, je l'ai connu à l'église. Et je connais très bien sa femme, tu connais Betty. Ah oui. Passe tous derrière l'église, hein, pour... Christian... Non, quoi, j'ai pas le droit à la jalousie ou quoi? On a sonné, je crois que... J'espère que c'est lui, hein. Ben, je crois, attends, je vais voir. Ah, salut ma soeur. Jean, ça va? Oui, ça va. Il y a Christian qui s'approche déjà, okay. Donc... Ah. Oh, Jean, ouais. Comment vous allez? Oui, ça va, oui. C'est vous? Oui, je parle un peu déjà. Non, mais vous voulez rien prendre? Non, c'est bon, on travaille d'abord. Est-ce qu'on peut faire une petite prière avant de commencer? Faites ce que vous voulez, tout ce que je veux sur le rapport. Ok, merci Seigneur. Merci de nous donner l'intelligence et la sagesse pour conduire au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ces travaux. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, vous aviez à l'époque acheté un terrain. On avait trouvé que c'était polluant. Oui. Donc, après de recherche, d'après ce que je viens de trouver, d'après les recherches, ils ont fait des analyses, ont fait le terrain et maintenant évalué et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de pollution. Ah bon? Donc, pour le moment. On a évalué les terrains à environ 500 000, ce qui est une bonne chose pour nous. Mmh. Donc ça fait partie des choses qui... Donc nous allons miser sur ça pour essayer d'équilibrer les comptes de la société. Donc on va pouvoir vendre ces terrains, s'il y a une possibilité. C'est d'abord ça. Et par rapport à l'assurance, donc il y a la compagnie d'assurance que j'ai contactée. Puisqu'on a eu 2 réunions avec eux. Donc normalement, il y aura un remboursement de 300 000 euros. Déjà ? Par rapport à ce que vous avez fait, l'investissement de la dernière fois. Et par rapport à ça, il y a des intérêts. Puisque normalement, pendant toute cette période, cet argent est resté dans les comptes de la compagnie d'assurance. Ouais. Donc normalement, ils vous doivent encore des intérêts. Donc il y a 80 000 euros. Plus. Donc au total pour le moment nous avons 880 000 euros qui vont rentrer dans les comptes de la société à partir de la semaine prochaine. Ah c'est très bon ça, c'est très bien. Ouais. Donc il y a une possibilité déjà de pouvoir commencer la première étape. Je pense que l'investissement dans les domaines de diamants, comme vous avez dit la fois passée, ça devient de plus en plus risqué. Il y a des contrôles. Il y a des contrôles. Qu'est-ce que vous voulez dire par contre? Ce que je veux dire par là, c'est que tout est contrôlé maintenant. L'importation des diamants, il faut que ça soit certifié. Et là. En faisant ce business dans la légalité et en payant la taxe et tout, je ne vois pas que. Ouais, je comprends tout à fait, mais le problème, c'est qu'il y a certains pays africains qui sont en guerre
la plupart des diamants qui sont exportés en Europe viennent de ces pays de guerre. Donc on va éviter. Ça, ce sont des investissements à risque. Oui, un instant. Ah, monsieur Bozin. Ah non, moi je suis dépassé par des problèmes. Mais non. Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une grande série. J'ai un frère là qui m'a pris 50 000. Moi j'ai des problèmes. Il ne veut pas me remettre ça. Donc là, mon frère, je ne sais pas. Ça, c'est une occasion de suite pour moi. J'ai tout fait, mais vraiment, je ne sais pas. Pour moi, je compte que lui poursuit. Là, ça sera mieux pour moi. Alors, un frère m'a dit que non, c'est pas bien comme je suis frère. Il ne faut pas que je le poursuive. Ah non, 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 monsieur, là, on confond tout. Ce que nous allons faire, vous allez pouvoir vous asseoir. Et puis, asseyez-vous. Je suis passé, en fait. Non, asseyez-vous. Donc, je ne suis pas vraiment à l'aise. Hein. Il y a un problème, monsieur Bozam, je vais vous expliquer. Puisque nous confondons un peu trop, et surtout quand on est trop spirituel. Je suis chrétien moi-même. Je suis chrétien, mais je suis aussi un avocat. Donc, quelqu'un dirait que non, puisque je suis chrétien et que je suis un avocat, donc je suis un pécheur. Ça n'a rien à voir. Vous êtes un homme d'affaires. Quelqu'un vous doit de l'argent. Que ce soit un chrétien, un frère, c'est lui avec qui tu pries à l'église et tout ça. Quand il s'agit des affaires, les affaires sont des affaires. Il faut faire la part des choses. Nous allons à l'église. Je suis chrétien moi-même, je vais à l'église. Mais quand quelqu'un me doit de l'argent ou il y a un client qui vient, j'ai négocié un contrat. Je dois recevoir de l'argent de la part de ce client qui vient me dire, bon voilà monsieur, vous êtes chrétien, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser cet argent? Non mais comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer ma secrétaire? Comment je vais payer tout ce que je dois aux banques et tout ça? Non, les affaires sont les affaires. Nous sommes des chrétiens, mais nous vivons dans le monde. Nous travaillons, vous n'allez pas payer votre assurance, on va vous arrêter, vous n'allez pas dire au policier, monsieur, je ne peux pas payer puisque je suis chrétien, non? En fait, je lui ai tout dit là. Si vous ne voulez pas aller devant le juge, nous allons pouvoir régler ça à l'amiable. Mais à condition que votre frère, le soi-disant frère, puisse comprendre et avoir une certaine humilité. S'il n'a pas l'humilité, nous pouvons aller devant le juge et ce n'est pas un problème. Il va finir par payer. C'est ça que moi je vais dire c'est comme mon argent. Ah non. Ouais. En tout cas, il faut me faire confiance. Merci beaucoup. Nous allons régler ça. Okay. Merci alors. Ok. Au revoir, monsieur. Madame Christian, je vous demande encore une fois de plus. Il est où votre mari? Je viens de vous dire que mon mari n'est pas là. Donc il est sorti. J'en ai marre de cette histoire. Je m'en fous de votre fille. À chaque fois que je viens chez vous ici, vous me parlez de votre fille. Le foutage que vous avez mis la fois derrière au point. J'ai une fille à moi. Hein. Laissez-moi vous dire ça. J'ai une fille. Je viens à chaque fois que vous me présentez votre fille. J'en ai marre de cette histoire-là. J'ai dit, j'ai besoin de mon argent. Un point, un trait. Mais il est en ça, train de travailler pour... Même s'il travaille, ça c'est votre problème. Mais j'ai besoin de mon argent. Votre argent. On sait qu'on vous doit de l'argent. Argent. Il se bat pour... Bon, écoutez, je ne suis pas votre enfant ici. Arrêtez de discuter avec moi. Ok? Arrêtez de discuter avec moi. J'en ai marre de cette histoire-là. Si votre mari vient, dites-lui que j'ai besoin de mon argent. Et je vais vous donner un dernier dîner pour cela. Est-ce que vous m'entendez? J'en ai marre de cette histoire-là. Mais calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu, monsieur. Jesus Christ, je vais faire une proposition. Mais là, ça serait entre vous et moi. Est-ce que vous me promettez de ne pas dire ça à votre mari? Mais je vous écoute. Allez-y d'abord. J'ai besoin d'une promesse dès maintenant. Là, en fonction de ça, cela peut-être changer mon avis par rapport à mon argent. Vous savez, j'ai de l'estime pour vous. Et ça, bon, je suis un peu mal placé pour vous en parler. La fois dernière, quand je suis venu ici, bon, votre mari, il sait qu'il est dans des difficultés. Je n'ai pas voulu anticiper les choses. Mais comme l'opportunité y est aujourd'hui, il est dehors, ben, est-ce que vous et moi, on ne peut pas s'arranger? En fonction de ça, je laisse tomber tout. Rassure-moi. Vous êtes belle. Monsieur Leveux, allez-y dehors. Sortez de ma maison. Je demande où est votre mari. Vous me dites sortez de ma maison. Je suis une femme mariée. Et je sais qu'on vous doit de l'argent. Hein? On va vous donner votre argent. Sortez maintenant. Je demande mon argent. Sortez ou j'appelle la police. Écoutez. Sortez ou appelez la police. Appelez la police. Je dis appelez la police. Sortez de ma maison. Je ne veux plus vous voir. Je dis appelez la police. Arrangez avec mon mari. Moi, je n'étais pas là. De quoi? Dehors. Je ne veux plus vous voir. Comme ça, on me chasse encore de la maison. Dehors.
Et ça fait deux fois. Je dis dehors. La troisième fois, vous êtes... Vous dehors. Dehors. Je dis la troisième fois, vous êtes... Dehors. Ok. Ouais, attends une minute, j'arrive. Ok. Sylvie, comment? Je suis là, tu voulais me parler? Ouais. Ben, tu viens. Mets-toi là. Et alors, c'est quoi ton problème? J'ai trouvé un fiancé. Tu as trouvé un fiancé? Oui. C'est qui? C'est Paul. C'est lui. Mais, Paul, on ne le connaît pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois te dire? Moi, je ne sais pas. Il est quelqu'un de bien. Il est chrétien. Il travaille. Ben écoute, je ne sais pas quoi te dire. S'il est chrétien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que il est chrétien. Ben, il faudra maintenant que j'essaie de parler à ton père parce que moi, je ne sais pas. Je dois d'abord parler à ton père, on verra. Ok. Non, non, tu peux pas l'emmener. Je dois d'abord parler à ton père. Oh, mon frère, ça va? La vieille santé. Ça va bien? Ça va. Et la vieille santé? Très, très bien, très, très bien. Okay. Bon, ben, je suis très content de te voir. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui ont beaucoup d'argent un jour et le lendemain, ils sont par terre. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas investir votre argent. Ah non, je suis sérieux. Non, bon, je sais que vous êtes sérieux. Je sais que vous êtes sérieux. Mais quelque part, d'abord, je viens d'arriver chez vous. La tradition le dit. Nous sommes africains tous. Quand même, offre-moi quelque chose à boire. Là, on peut rentrer dans le but du sujet, mon frère. Vous allez boire quelque chose. J'ai un frigo, il n'y a pas de problème. D'accord, là, c'est d'abord, bon. Je vous explique. Il faut qu'on investisse dans le FTSE. Dans le FTSE, c'est le Financial Times Stock Exchange. Ouais. Ce sont les compagnies répertoriées dans l'économie britannique, hein, donc par le Financial Times. Ça, c'est dans ça qu'on veut investir. Donc votre argent, moi je vais placer ça là-dedans. Et puis, donc ça c'est des valeurs sûres. Ce n'est pas comme quand vous vous donnez à votre cousin qui va vous faire un taxibus au pays, tout ça, après ça fait un accident. Non, ça c'est vraiment des trucs solides. Donc c'est pour ça que moi je suis là pour vous aider. Dans un espace de combien de temps je peux avoir mon intérêt? Parce que je n'arrive pas un peu... Un, deux, trois, quatre jours. Mais bon, mieux vaut quand même... Parce que moi, mon travail, c'est quoi? Vous me donnez votre argent. Moi, je vois les valeurs qui montent. Je place votre argent. Un mois après, deux mois après, trois mois après. Même tous les jours, si on veut. Mais bon, si tous les jours, vous voyez, c'est là, par exemple, hein, ça fait 26%. Alors, faut... Hein, faites confiance. Moi, je suis là pour ça. Mon travail... Mon frère, tu sais, ma grand-mère me disait, quand le serpent te mord, quand tu vois un bois, tu sautes, tu as peur de ça. J'étais hier piqué par un serpent. Donc c'est pourquoi je me méfie beaucoup de cette histoire de l'argent. Oui. Donc c'est pourquoi au départ, je t'ai dit de bien m'expliquer. Parce que cette histoire d'intérêt, c'est rentré là. La confiance, d'accord, mais cela n'exclut pas le contrôle. Je suis très... Non, je ne vous coupe pas la parole. Tout ce que vous dites, c'est ces chiffres de, je sais pas comment, de 4% ou bien 20%, 50%. Moi, je ne regarde pas tout ça. Quelque part aussi, c'est mon argent que je vais vous donner. Et j'aime vraiment les intérêts. Est-ce que tu vois? Donc, on va retourner encore sur cette page. Vous allez très bien m'expliquer. Et moi, je suis partant pour cela. Mais, mon frère, je vous dis, j'étais déjà piqué par un serpent. Mais la deuxième fois, je ne vais pas me laisser faire. Alors, donc, on peut rentrer au but du sujet. Écoutez, mon frère. Nous sommes tous des Africains. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que tous les serpents ne sont pas venimeux? Vous savez ça? Là, je le sais. D'accord. Moi, je suis un serpent. Parce qu'il faut être serpent dans ce business. Mais je suis un serpent qui n'est pas venimeux. Et ça, il faut le retenir. Donc, moi, je peux vous expliquer en long, en large et en travers. Mais ça va prendre trop de temps. Et ça ne sert à rien parce que c'est la confiance qui règne d'abord. Quand vous allez chez le docteur... Il vous opère. Est-ce que vous lui demandez de vous expliquer comment il vous a opéré? Non, vous faites confiance. Ouais. Alors, c'est la même chose. Vous avez de l'argent, vous me donnez votre argent. Moi, je place.
Et après ça, on s'enrichit, tout le monde est content. Voilà. C'est pour ça, justement, qu'il y a des gens. Le menuisier est là pour faire la menuiserie. Le cordonnier est là pour réparer les chaussures. Et moi, je suis là pour placer votre argent. C'est pour ça que je suis payé. Donc, c'est ça. Il faut faire confiance. Il faut commencer. Non, moi, j'ai confiance en vous. J'aime avoir beaucoup d'argent. Mais je n'aime pas être trahi. Mais la trahison, là, il y a un imbécile. Si je me rappelle bien, il m'a volé de l'argent. J'ai failli vraiment lui créer des problèmes. Il a eu tous les problèmes du monde. Alors, tu vois, je ne veux pas revenir encore sur cette histoire-là. C'est pourquoi, au départ, j'ai tellement entendu et j'ai pris vraiment mes précautions. Je suis vraiment prêt. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, si quelqu'un me trahit, je suis vraiment prêt. Toutes mes actions sont là. Est-ce que vous voyez? J'ai pris les gardez-vous. Je suis prêt à attaquer. Comment je pense que je veux, si vous voulez, donner 200 000 multiplié par 50 fois 4, c'est 200 000. D'accord. 200 000 euros, je pense qu'avec 200 000 euros, on peut faire quand même. C'est un très bon chiffre d'affaires. D'accord. Ça peut nous faire avancer. Pas de problème. C'est lourd. Mais non, ne prenez pas si vite comme ça d'abord. Vous êtes tous plus pressés. Mais c'est mon travail. C'est hein, mon travail vous savez, pour avoir cet argent, j'ai vraiment souffert. Hein. Donc, oui, je comprends. Avant de prendre cet argent, essayez quand même de vous apaiser. Hein. Bon, je sais que c'est votre devoir, mais quelque part, hein, monsieur, prenez cet argent, prenez-le. Voilà. Avec les deux mains, parce que c'est la tradition. Hein. C'est vraiment lourd. En tant qu'Africain, moi aussi, j'ai des proverbes. La branche ne plie pas sous le poids du caméléon. Hein? Retenez bien ça. Laisse-moi te dire, mon ami. Je vais te donner un proverbe aussi. On peut sauter un morceau de bois. Cet argent qui est là, ça représente le morceau de bois. Mais on ne peut pas sauter la terre. Et moi, je représente la terre. Il faudrait qu'on garde le contact. Et j'aimerais que les affaires seront les affaires et on va faire plus d'argent dans ce pays. Ok, je suis un Africain, pas comme les autres. Donc, rappelez-vous de moi et rappelez-vous surtout de ce proverbe que je vous ai laissé. Okay? D'accord, pas de problème. Comptez sur moi. Bonne journée et faites vraiment de bonnes affaires. D'accord. Je vous appellerai demain matin. À la prochaine. Ok, au revoir. Hein? Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Maman, tu es prête? Ouais, j'ai fini. La lettre de maman. Wow, tu es jolie, mais tu... Viens. Voilà, moi j'ai fini. Je crois que... Ok, je te laisse, tu surveilles ça. Bon, je vais continuer dans ma chambre, j'arrive, hein. Ok? Tu surveilles. Oh! Ouais. Tu m'entends? Tu ouais. Surveilles. Excusez-moi, j'arrive. Okay. Allô Sylvie, c'est Paul. Bon, nous avons un petit problème. J'ai rencontré une fille à l'église. Bon, cette fille, elle et moi, on s'aime, donc je vais épouser elle. Je sais que vous avez préparé pour moi aujourd'hui, mais ce ne sera pas possible pour moi de venir étant donné que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. En plus, elle... C'est avantageux pour moi parce que son papa a beaucoup d'argent, son papa est très riche. Et toi, ton papa, je sais que c'est lui aussi, il a des problèmes d'argent, il n'en croit que ça ne m'arrange pas. Donc il faut qu'on se marie, il faut que je marie dans une famille qui est bien. Et donc elle, elle est mieux. Donc je préfère qu'on reste de bons amis. On peut se voir de temps en temps pour boire du café et tout ça, mais... Pour ce qui est de mariage, je suis désolé. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Salut ta famille, ta maman. Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Mais réponds-moi, c'est quoi? Bye. Mais Sylvie, c'est quoi? Mais vas-y, parle, c'est quoi? Je ne sais pas, maman. Mais Sylvie, c'est quoi? Dis-moi! Mais tu es en train de faire pipi, Sylvie, c'est quoi? C'est quoi le problème? Mais dis-moi! C'était qui au téléphone? Mais parle-moi, c'est quoi, Sylvie? Caro! Qu'est-ce qu'il y a? Mais Sylvie, moi, je sais pas ce qui se passe, Sylvie! Sylvie, qu'est-ce qu'il y a?
Je veux te